président de la République. Mettez-vous, s'il vous plaît. Convoqué à l'initiative des chefs de l'État et commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, en réunion de haut commandement élargi. Nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, saisissons l'opportunité qui nous offre cette circonstance pour souhaiter et présenter nos vœux de bon anniversaire au président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en ce moment précis où notre pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous tenons à rappeler que, conformément à la Constitution de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont apolitiques, républicaines, nationales et dissuasives, ont pour mission sacrée la protection des gens et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de notre indépendance, ainsi que la protection jusqu'au sacrifice suprême des institutions légalement établies, dont la première est le président de la République. En outre, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, restons résolument engagés à ne jamais trahir le Congo, conformément à notre serment, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont le ciment de l'unité nationale. Ce serment traduit également notre détermination à servir la patrie dans la discipline, avec abnégation et circonspection. Respectueuse des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes, nous vous assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause Congo. Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national, de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs des richesses et du développement de notre pays. À l'issue de la réunion de haut commandement élargie aux commandants régions et des secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays, tenue ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupes, réitérons toute notre fidélité à votre suprême autorité, ainsi que notre attachement indéfectible à votre auguste personne, pour matérialiser votre vision de faire des forces armées de la République démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Plus rien à vos ordres, Excellences.